Bon, les filles, c'est le bazar sur votre bureau. Est-ce que je vous en fais un autre, le bureau? Oui. Oui? Un grand? Oui. Mais après, on supprime celui-là, hein? Mm-hmm. D'accord? Chacune un? Vous aurez chacune une partie du bureau. Mais il y aura un côté pour toi, un côté pour Juliette. D'accord. D'accord? Tu le feras comme en rond? Non, il sera tout le long du mur, là-bas. Le long du mur? Oh, bah, il sera immense. Oui, il sera immense. Mm. Ça va être bien? Allez, en avant! Bon, allez! Allez, Julie! Voilà! Il y a un copain qui m'a donné ce gros bout de chaîne et je sais pas ce que je vais en faire. Il est sec, il est plein de nœuds, il est tordu dans tous les sens. Mais ça viendra en tout cas. Je pense que ça, y a des moyens de faire des super choses là-dedans. Et en attendant, il faut que je le stocke. Donc voilà, vous allez le voir pendant un certain temps ici. Mais on n'est pas venu pour ça, on est venu pour des bouts de valchromate qui sont cachés derrière. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Rien à faire là. Ah, il va être trop petit. Bon bah il va y avoir un bureau gris anthracite et un autre marron chocolat. C'est juste du valchromate de 8 d'épaisseur, mais je vais faire les cadres autour pour tenir l'ensemble. Et par ici, dans les oubliettes, il y a quelques morceaux de châtaignier là au fond. Et donc c'est ça qui va me servir pour faire la structure des cadres des bureaux. Bon, tout ce qui est au fond là, c'est du châtaignier. Il y en a deux qui boulent, j'en ai sorti quelques-uns. C'est ici que je vais entasser tous mes bouts dépareillés, tous les bouts qui sont pas certains pour d'un projet. Et voilà, des bouts comme ça, j'aurais mieux fait de le mettre directement au feu, il y a tellement d'aubier. Ça c'est un bout de chêne, mais voilà. Puis celui-là c'est son frère. Enfin bon, ils sont là, ils prennent pas de place. Et si jamais j'ai des besoins de bois de chauffage, ben voilà, je sais où aller me servir. Les filles seront peut-être contentes d'apprendre que le châtaignier il vient de la forêt de chez Papy. Ces bureaux vont avoir une longueur de 1m30 finalement chacun. Environ, ça sera en fonction de mes bouts de bois. Et ils ont sur cette partie-là, si je vous le dessine de profil, il y a une partie qui va aller contre le mur, une petite tablette, le bureau à peu près à ce niveau. Voilà, avec un cadre en châtaignier. Donc toute cette partie ici, c'est du châtaignier. Et là, il y aura un cadre avec coupe d'onglet. Et l'intérieur, ce sera du valchromate. Ici, du valchromate. Petit changement de plan, d'abord pour la structure de l'ensemble que je réfléchis au fur et à mesure que je cherche les morceaux disponibles, je veux dire. Je vais faire une rallonge inférieure contre le mur, donc avec les bouts de châtaignier que j'ai désépaissis. Et ensuite, il va y avoir des traverses intermédiaires sous le plateau de valchromate, ici. Et avec un équerrage de l'ensemble, donc je vais essayer de vous le dessiner. Voilà, ça va être un équerrage de l'ensemble avec un arrondi. Donc il va y avoir des pièces supplémentaires. Alors ces pièces-là, elles vont non seulement m'autoriser à tenir le plan de travail à angle droit par rapport au mur et que ça bouge pas trop, mais ça va me permettre aussi de fabriquer des petites tablettes inférieures pour qu'elles puissent ranger du bazar. Parce qu'il y en a du bazar. Allez hop! Magique, hein? Ah, c'est pas tout à fait au point mon affaire. On va encore faire du travail manuel.
premier des éléments. Il y a un nœud qui a sauté, c'est pas grave, ça sera caché sous le plan de travail. On voit aussi bien la différence de teinte qu'on peut avoir sur du châtaignier. Ils ne viennent pas de la même forêt, ils n'ont pas été coupés à la même date. Et puis aussi, celui-ci est dans la dosse, c'est-à-dire à l'extérieur de l'arbre, alors que celui-ci est dans le quartier. On n'a pas du tout le même aspect de fil. Cette partie-là sera cachée sous le bureau et cette partie-là sera apparente avec le reste du bureau. Alors faites que ça soit pas gentil, c'est pas grave parce que je le repasserai à la raboteuse. C'est l'intérêt d'avoir une grosse raboteuse comme ça, c'est que voilà, on s'embête pas à aligner des morceaux. On repasse tout à la raboteuse et puis voilà. Et voilà, miracle de la vidéo, c'est déjà sec. J'ai aussi débité des sections pour faire les cadres. C'est à peu près 40 par 50. C'est un peu plus que 40 par 50, donc ça va, je vais le réduire au plus grand dénominateur commun entre tous ces bouts de bois. Et j'ai aussi préparé les petits bouts tordus qui vont faire les jambages par en dessous. Allez, redégauchisseuse. Pour assembler mon cadre, je vais utiliser des dominos de 8 pour renforcer les angles parce que c'est pas le panneau intérieur, vous voyez, il tient pas sur grand chose. Donc le cadre va être indépendant et puis va pouvoir se tenir lui-même. Je fais un essai avec des profondeurs d'usinage pour voir si je traverse pas le bord du cadre. Ça serait dommage.
ça sera bon. C'est génial ce domino, c'est vraiment super. Il en fallait, hein? Faudra pas leur dire hein, qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Mais bon, c'est parce qu'il y a un décroché dans le mur de 5 cm, donc il y en a un qui est 5 cm plus grand que l'autre. Il y en a un qui est 5 cm, qui est 3 cm plus court que l'autre, mais ça c'est parce que mon panneau de valchromate est pas assez long. Donc un perroquet comme ça, ça permet de tracer des tangentes de sections d'arrondi, de cercle. Enfin, pas de cercle parce que justement c'est pas rond, mais ça permet en utilisant les tangentes de trouver des jolies courbures. Et voilà mon sandwich avec mon gabarit, la pièce qui m'intéresse et en dessous un bout d'aglo pour protéger l'établi. Il n'y a plus qu'à. Et voilà. Voilà mes traverses plus ou moins en place. Je vais calculer et tracer pour mettre des dominos entre la traverse et le cadre. Je vais aussi prévoir des dominos entre la traverse et le jambage. Et puis aussi sur l'arrière du jambage pour rentrer dans le panneau de fond. Quand j'ai une marque à faire sur un bout de bois, je mets la mesure là et je trace ici. Comme ça, mon trait, il est déjà à la perpendiculaire, à peu près à la perpendiculaire. Et ensuite, je peux reporter mon trait sur l'ensemble. Ici, à cause de ma petite feuillure, la traverse qui vient là, elle ne fait pas la même hauteur que le cadre. Et donc, je vais utiliser ces petits taquets qui sont escamotables sur la domino pour avoir la même référence. Un coup à droite, un coup à gauche, ou un coup dessus, un coup dessous, comme vous voulez. Et voilà, maintenant il ne faut pas que je me trempe dans les traverses parce que il y a moyen de faire des bêtises. Et voilà, les deux châssis sont maintenant collés. J'ai eu quelques problèmes de désaffleur dans les coins. Je sais pas, mes dominos étaient peut-être pas pile poil en face.
Je vais rectifier ça au rabot et puis ça va aller très très bien comme ça. J'en profite pour vous parler de ce rallye B30, c'est un Guillaume debout pour aller écarrir justement des coins rentrants comme ça. Alors c'est pas très facile à utiliser, mais bon, ça fait un boulot qui est quasiment impossible à faire sinon, à part au ciseau. Mais là on a le bénéfice de la semelle pour aplanir vraiment sur une grande distance. Et voilà, il y a encore quelques petits ajustements. Il va falloir que je trouve une combine pour plaquer les valchromates au fond de la feuillure. Et puis maintenant, il faut que je m'attaque au piétement et puis le fond aussi. Je viens de m'apercevoir que j'avais pas appuyé sur le déclencheur au moment où j'ai collé les jambages sur les cadres. Enfin bon, vous devinez un peu comment ça marche. J'ai aussi rajouté des dominos entre les deux cadres pour pouvoir les assembler bien à hauteur l'un par rapport à l'autre. Ça serait dommage qu'il y ait des différences. Et puis ça va solidariser l'ensemble. Et maintenant, un coup de rubio sur le valchromate avant la pose. Alors là, ça sera du rubio transparent. Et sur le châtaignier, ça sera du soupçon de blanc. C'est pour ça que je les traite séparément. On en mangerait, hein? Ça y est, c'est prêt pour le rubio soupçon blanc ou White 5%, c'est son nouveau petit nom, qui a la particularité de ne pas modifier la couleur naturelle du bois. Mon papa
me dit de vous dire de vous abonner sur la chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. C'est bien, Juliette, merci. Ok, c'est bon. Merci. C'est pas marqué. Alors, le mur ici, c'est... Allez, pousse-toi. Le mur ici, c'est une ossature bois qui tient du chaud chanvre avec un enduit sur le dessus. J'ai quelques problèmes parce que l'enduit il dépasse, il fait des bosses comme ça. Il a même fendu à certains endroits. Là, en l'occurrence, ça va être caché par le fond du bureau. Mais il faut que je plaque sur mon ossature, il faut que je plaque un morceau là j'ai mis du tilleul, donc je vais remettre des bouts de tilleul qui font juste la hauteur du bureau, suffisamment épais pour pouvoir tout aligner. Et vous arrêtez de secouer le bureau là, Juliette? C'est le laser qui est posé là-bas et évidemment elle secoue le bureau. Et voilà mon décalage de 5 cm. L'instant de vérité. Honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé. Pas mal. Zut, la visseuse. Ah. Pour que les bureaux soient démontables, j'ai prévu un écrou et un boulon, pour pouvoir les démonter un jour. Si jamais il faut déménager les bureaux dans une autre chambre ou j'en sais rien où. J'avais vissé par derrière les fonds sur le cadre de façon aussi à pouvoir les démonter par la suite. C'est pas collé, c'est juste il y a quelques vis. Et voilà, c'est pour pouvoir réemployer les cadres, les châssis si besoin. Et donc voilà, ça sera comme ça et ça tient pas mal déjà. Et ça s'aligne même pas si mal que ça. Voilà, un des effets que je recherchais, c'est le petit désaffleur qu'on a sur le pourtour. Alors là, il est un petit peu important, je ne sais pas ce qui se passe, je regarderai dessous. Mais voilà, ça donne l'impression que c'est un bureau plaqué cuir comme un marocain. Et je trouve que c'est du plus bel effet. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé le film. Je suis bien content de la tournure que ça a pris, de la façon dont c'est sorti. C'est vraiment chouette, le mélange valchromate et châtaignier. C'est vraiment un super mélange. Et voilà. Vous pourrez me retrouver très bientôt pour une nouvelle réalisation. Je vais me rattaquer à la bluterie maintenant que j'ai la quincaillerie nécessaire. Voilà. Nous sommes toujours confinés et on reste en lien. Merci papa. Oh. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt.